Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Bonjour. Alors, les statuts particuliers, les discussions sont engagées pour leur révision sur l'instruction du président de la République. Vous avez été reçu il y a quelques jours par le ministre de la Santé. Améliorer les conditions socioprofessionnelles du corps des hôpitaux universitaires permet aujourd'hui directement d'améliorer des prestations sanitaires de haut niveau en direction des malades. Et on en a besoin, professeur Belhaj. Exactement. Pour nous, c'est une occasion inouïe. Justement, de, de revoir notre statut. Parce que nous avons notre tutelle, c'est l'enseignement supérieur, mais quand même nous exerçons dans les CHU, les, les différents CHU du pays. Et, et nous avons déjà discuté avec l'enseignement supérieur on a fait des propositions. Et, et avec Monsieur le ministre de la Santé, qui nous a reçus ce lundi, nous avons ouvert aussi le volet de la révision du statut, notamment euh, de la rétribution et des conditions de travail des hôpitaux universitaires dans ces différents CHU, ainsi que les CHU du Sud qui ont été récemment créés. Euh, en tant que partenaire social, nous, nous avons toujours prôné le dialogue nous avons fait des propositions nous sommes sur le terrain nous avons l'obligation euh, morale de tout faire pour essayer de garder justement ce corps-là, cette compétence, cette médecine de demain pour développer notre système de santé. Mais cette révision des statuts, professeur Rachid Belhaj, est une excellente ou bonne opportunité pour discuter de toutes les, craintes, euh, les, les contraintes qui freinent aujourd'hui le développement du secteur public, qui subit des contraintes et des faiblesses depuis de très longues années, et on en parle régulièrement. Effectivement, effectivement le secteur de la santé souffre depuis des décennies, justement. Euh, des problèmes récurrents, des problèmes de, la, de gestion, des problèmes de, de ressources financières, des problèmes de la gestion des carrières, du personnel, etc. Mais en tant que professionnel de la santé, il est temps, justement, ce qui nous concerne, de euh, revoir justement euh, la gestion, la formation, le suivi des carrières, notamment pour le corps des hôpitaux universitaires et aussi des autres corps, à l'instar des autres pays. Vous savez, ce nouveau concept, la pandémie Covid-19, nous a donné des leçons. À l'instar des optiques, tout le monde développe son système de santé. Mais il est basé surtout sur la ressource humaine. Cette ressource humaine qu'il faut justement la garder, la former et l'accompagner et la valoriser aussi. C'est dans ces quatre axes-là que nous sommes en train de développer nos négociations avec les deux tutelles, soit l'enseignement supérieur ou la santé. Mais justement, je reprends ce que vous dites à l'instant, professeur Rachid Belhaj, bien sûr avec le concept de la sécurité sanitaire qui est aujourd'hui une priorité euh, au niveau de tous les États et tous les pays. Euh, tous les pays axent leurs réformes sur le développement euh, pour euh, le développement de leur santé, sur bien sûr la ressource humaine, d'où l'intérêt qui est porté sur la migration des médecins et particulièrement des hospitaliers. Universitaire. Il faut tout mettre en œuvre pour les garder, puisque Bien vous sûr. avez quelques indicateurs chiffrés. Bien sûr, chaque année, on, on dénonce et on informe nos tutelles sur ce départ massif. Par exemple, pour l'année 2022, nous avons déjà recensé 80 hôpitaux universitaires qui ont quitté le secteur, euh, dont je peux vous citer les spécialités concernées, les radiologues, les ophtalmologues, les ORL, les dermatologues, les urologues, les réanimateurs quand même. C'est une CINI pour nos compétences algériennes, qui ont été formées par, par la l'Algérie gratuitement depuis le primaire jusqu'à lui donner un diplôme de médecin spécialiste. Et comme ça, au bout de quelques mois, il, est, il part à l'étranger, il est recruté, valorisé et bien payé. Ce qui est encore plus dramatique, si vous transférez vos malades à l'étranger, eh c'est cette même compétence algérienne, c'est elle qui prendra en charge, dans certaines spécialités, nos concitoyens. La préoccupation majeure, c'est de garder les hospitalos universitaires au même titre que les médecins, parce que Ça là aussi, de ce là priorités. il y a une saignée. Deux priorités c'est-à-dire la garder et aussi la former, l'accompagner. Nous avons aussi abordé avec le, monsieur le ministre de la Santé le problème de transfert des malades d'Algériens à l'étranger. Pour des interventions chirurgicales, vous avez cité notre collègue Bob qui est un excellent neurochirurgien. Eh ben, il faut essayer de tout faire pour garder cette compétence algérienne pour diminuer le nombre de transferts de patients algériens à l'étranger. Oui, Ou les... il est venu de l'étranger vers l'Algérie. Exact, exact. Il, faut, il y a beaucoup de cas euh, comme lui. Il faut euh, tout faire pour essayer de les garder et leur donner la chance. Moi, je pense que l'État, je tiens à saluer les pouvoirs publics, même le président de la République, nous a donné la chance à cette nouvelle génération de professeurs d'exercer, d'assurer, de faire des propositions pour développer la médecine algérienne. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens professeurs en agi qui essaient de développer, de donner le maximum. Il faut les encourager et de tout faire pour essayer de les garder, sans oublier aussi de faire un, 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 un pan efficace avec le secteur privé. Ça, c'est notre vision des choses. Notamment dans, pour les soins de, de haut niveau. Mais pour les statuts particuliers, quelles sont aujourd'hui vos préoccupations majeures et vos propositions qui ont été bien sûr adressées aux deux secteurs, celui de l'enseignement supérieur et celui de la santé Dans le, chaque statut, il, a des, il y a des chapitres concernant la progression, la carrière, le mode de recrutement, les obligations, les devoirs, etc. Il y a aussi le régime indemnitaire. Ce régime indemnitaire, tout le monde s'accorde à réviser justement ce régime indemnitaire d'une manière. Euh, réfléchi, efficace, et aussi on a introduit le concept de l'évaluation. Il faut évaluer les gens, on ne peut pas donner le même salaire à, à tout le monde, à celui qui travaille ou qui ne travaille pas, il faut évaluer des gens et de donner des primes de performance ou d'encouragement de, à des gens qui travaillent et de pouvoir euh, créer ce qu'on appelle un pan avec le secteur privé qu'il faut, nous avons insisté en tant que syndicat, qu'il faut le réglementer, il faut le surveiller, s'il y a des délits, il faut le sanctionner. À travers ce qu'on a, qu a proposé, l'activité lucrative avec le secteur privé, parce que le secteur privé algérien actuellement est en train de se développer, on est en train de voir la, la, la création d'hôpitaux privés, de cliniques avec de, de grands moyens. Il faut essayer de créer ce pan solide entre le secteur public et le secteur privé pour diminuer le transfert de praticiens à l'étranger. Et aussi, dans un autre cadre, c'est la formation. La médecine est en train de se développer. Toutes les sciences sont en train de se développer, dont le, soit dans le, le contexte de diagnostic, de, 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 de soins. Il faut euh, former les jeunes compétences à la, aux nouveautés. Et à maintenant, on arrive à traiter le cancer, à, à traiter des malformations, à faire des opérations. De nouvelles thérapies pour le cancer Bien contre sûr, le sein des nouvelles, exactement. Il faut que l'Algérie aussi soit à la page et elle suit tous les développements technologiques. Mais euh, est-ce que ceci nécessite euh, impérativement d'aller vers une révision des statuts de la fonction publique, puisque certains, euh, par exemple, organisations euh, syndicales, ont demandé de mettre en place un statut euh, une fonction publique dédiée essentiellement à, au secteur de la santé. Les avis divergent. Les avis divergent, ce n'est pas aussi facile de créer une fonction publique d'un secteur, secteur donné. Vraiment, après, selon notre mode de, de gestion, notre système de santé, il est très difficile. Mais on s'accorde tous à dire qu'il faut réviser d'abord le statut général de la fonction publique pour donner l'opportunité aux autres corps, lorsqu'ils vont négocier leur propre statut particulier, à trouver des artifices justement pour le secteur de la santé. Mais que faut-il revoir au niveau du statut de la fonction publique pour s'adapter au contexte actuel il faut, On a posé la problématique, comment pouvoir garder ce personnel Comment éviter le départ massif à l'étranger Comment éviter l'absentillisme? Comment éviter, c'est-à-dire, le gaspillage dans les... Et comment a... améliorer les prestations Bien sûr, puisque le monsieur le ministre de la Santé nous a présenté les sept axes, de la réforme, réforme discuté hier spécialement, en spécialement justement pour euh, le malade. Nous on a dit c'est bien pour le malade, mais aussi pour pouvoir donner des soins de qualité, de prendre en charge bien le malade, il faut aussi penser au personnel de la santé dans toutes ces catégories. Et on a soulevé même aussi le problème de la gestion. On lui a cité les cas, c'est bien on a ouvert des CAC, des centres anti etc. Mais ces CAC, ils sont implantés au niveau des CHU. Et ces centres-là, ils sont budgévores. Ça va se répercuter sur le fonctionnement des autres spécialités, telles que la pédiatrie ou l'ORL. Il faut leur donner leur propre statut, justement ces CAQ, pour euh, donner plus de, de vision, plus d'oxygène, plus de budget. On lui a cité même de certains hôpitaux qui étaient avant des centres des EHS. Ils sont devenus hôpitaux universitaires. Plusieurs spécialités ont vu le jour, mais avec toujours le même budget qu'avant. Donc il faut revoir un système de santé, il faut un, aussi des mesures de financement efficientes, un suivi, on sait des vérités, écoutez à chaque fois on parle de financement de santé, on parle de la canasse, on veut dire la canasse elle, elle est difficile, elle a ses propres problèmes. On ne peut pas proposer à développer un système de santé au détriment d'une structure elle même elle est déficitaire. Il faut revoir justement le système de financement de la santé, de dégager des priorités, ce sont des dévérités, malgré que notre système, je le confirme, c'est un système humain, nos portes sont ouvertes et nous essayons de prendre en charge nos concitoyens dans le respect de la dignité humaine. Mais euh, tout concorde aujourd'hui euh, pour améliorer les prestations en direction des malades, c'est ça la préoccupation Bien sûr. majeure Notamment au niveau des urgences. Notamment aux urgences, le citoyen se plaint énormément de la qualité de la prise en charge au niveau des urgences. Tout cela. Nous, les hôpitaux universitaires, on souffre au quotidien parce qu'il il, n'y a pas de sectorisation, il n'y a pas de gestion de coordination entre les polycliniques et les, les, les agents des centres hospitaliers universitaires, il n'y a pas de coordination entre le privé et le secteur public. Donc nous avons proposé. Révision de la carte sanitaire. Révision de la carte sanitaire, mais il faut l'appliquer. Cette révision, ça fait longtemps qu'on en parle. Il faut maintenant passer dans le cadre, on l'a dit, des vérités, sans numérisation. Vous ne pouvez pas appliquer la carte sanitaire. C'est la, la priorité du ministre actuel. Tous de les la ministres centre, qui sont passés par là. Le fichier du, ma, euh, le, du malade. Exactement. Il faut numériser la secteur. On n'arrive pas à comprendre comment les banques, euh, d'autres ministères ont réussi à numériser la sécurité le sociale. Secteur, la sécurité la sociale exactement. Sauf le secteur, la, qui est un secteur névralgique. Il faut que les gens comprennent que la richesse d'une nation, c'est l'homme. Et la richesse de l'homme, c'est sa santé. On doit prendre en charge... Correctement la santé morale et physique de l'être humain. Mais comment revoir aujourd'hui ce système de financement quand vous dites aujourd'hui on parle de la contractualisation via la CNAS, il s'avère que la CNAS elle-même est déficitaire. C'est vos propos un instant, Monsieur le euh, euh, Professeur Belhadj. Euh, euh, quel, quelle est l'alternative à laquelle souvenez, on pourrait penser éventuellement Justement, il y a Une alternative. Et justement, il y a eu plusieurs euh, assises. Hein, J'en ai fait plusieurs assises. Plusieurs rencontres, plusieurs assises, etc. plusieurs. Nous oui. avons, il faut aussi que le citoyen participe justement dans le financement du système de santé par un comportement justement citoyen. Le comportement c'est tout individuel à travers le monde. L'universalité c'est de payer ses charges, de payer ses impôts. Nous sommes victimes la santé justement par ricochet de cette informelle qui est en train de gangréner plusieurs secteurs, notamment la santé. C'est à traverser les gens, tous les gens, payent. il faut revoir le système justement des impôts, le système de pousser les gens à euh, cotiser sans que ça soit euh, qu euh, avec des taux parfois difficiles, que les gens payent 20%, la 18% est Il faut créer des mécanismes à pousser tous les citoyens à euh, cotiser. Et à, et à travers les cotisations, on va euh, financer le système de santé. Alors, euh, professeur Rachid Belhadj, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent justement le système de santé, son amélioration, on profite bien sûr des malades, les insuffisances aujourd'hui sont connues et reconnues par l'ensemble des intervenants, également euh, les hauts responsables de l'État, même le président de la République avait reconnu que même si notre système est résilient, il est aussi euh, social par excellence, mais toutefois, il demeure des insuffisances, c'est la raison pour laquelle nous allons recourir aussi hein, pour euh, la réalisation à l'avenir de certains hôpitaux au partenariat et au savoir-faire de certains euh, pays, comme par exemple les Qataris et euh, les Allemands. Je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez soulevé. Vous avez parlé, bien sûr, de la révision du système de financement de notre système de santé. Vous avez écarté l'éventualité d'aller vers ce qu'on disait il y a quelques années qui était sur la table de la discussion, à savoir la contractualisation du système de santé, avec bien sûr l'implication de la CNAS pour le paiement des prestations de santé au profit bien sûr des malades qui sont affiliés à la sécurité sociale et les autres bien sûr il y a d'autres systèmes comme la CASNOS. Vous dites il faut des impôts, mais les impôts servent aussi à payer tous les autres secteurs, pas exclusivement le secteur de la santé. Le Comment l'expliquez-vous est-ce que vous pouvez nous l'expliquer davantage Très bien. Nous avons déjà abordé à plusieurs reprises avec nos tutelles l'éternel problème du financement du secteur de la santé, qui est des chiffres incroyables si on les compare par rapport à d'autres pays. C'est des chiffres énormes. Et le résultat, personne n'est satisfait. On a dit, on a ramené même des experts, comment trouver des sources de financement du secteur de la santé, le secteur public. Eh bien, nous avons fait plusieurs propositions. Il y avait même la proposition de créer une agence de suivi justement des, des ces infrastructures hospitalières, euh, qui doit gérer le mode de, de recrutement, l'approvisionnement, la restauration, la sécurité, l'hygiène, etc. Tout cela demande ce qu'on appelle un engineering, une intelligence, euh, à pouvoir trouver des euh, ressources financières pour financer dans le secteur de la santé. On doit sortir de la formule classique. Si ce n'est pas le trésor, c'est la classe. Il faut trouver d'autres sources de financement à travers d'autres institutions qui bénéficient justement du secteur de la santé. À titre, nous avons constaté, il y a pas mal de sociétés qui ont beaucoup de, de moyens financiers, contractent avec des cliniques privées actuellement euh, des sommes colossales. Pour pouvoir donner la possibilité à leur personnel de bénéficier de certains soins de base ou bien des soins de haut niveau. Pourquoi pas, ils ne le font pas avec le secteur public C'est tout cela qu'on sommes en train de réfléchir. Bien sûr, il y a des experts dans le management, dans le financement du secteur de la santé. Il faut un large débat avec un, un, un large débat, mais avec des solutions algériennes et des solutions réelles et pérennes. Il faut pas Sans remettre soit. en cause Sans la même... gratuité des, Exactement. des soins. En grande, je le répète encore une fois. Pour notre syndicat, la gratuité des soins, c'est un acquis historique. C'est un acquis depuis l'indépendance à ce jour. On ne peut pas changer un système comme ça de santé du jour au lendemain où seulement le, le simple citoyen le paiera euh, cherche ce changement d'attitude. La médecine, c'est une médecine humaine. C'est une médecine, elle est là pour aider l'être humain dans sa souffrance physique, morale et sociale. Je ne pense pas qu'en ch changeant le système, qu'on va aider l'être humain. Nous sommes pour justement la gratuité des soins, mais nous avons les possibilités d'améliorer notre secteur de la, de, de la santé par des moyens algériens, soit du secteur public ou du secteur privé alors, mais est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui dans le cadre de cette révision et de ces réformes qui vont être également engagées par les pouvoirs publics, puisque nous avons vu hier en conseil du gouvernement, euh, il y a la question de la réforme de la santé qui a été largement euh, abordée, bien sûr, les, axes, les sept axes sur lesquels s'appuie euh, le euh, nouveau locataire du secteur de la santé pour pouvoir aujourd'hui euh, introduire ces réformes qui concernent bien sûr les questions euh, liées à l'amélioration des prestations en direction euh, euh, des malades, c'est-à-dire une restructuration, euh, euh, l'hygiène au milieu euh, hospitalier, revoir la configuration des CHU actuellement, c'est important. Parce qu'on a vu qu'au niveau des hôpitaux, on fait tout au CHU, on fait tout, absolument tout. Alors qu'on pourrait aller vers des hôpitaux spécialisés. C'était l'indication et la directive récente du président de la République. Exactement. On envoie. On ne en sait pas où s'orienter. On envoie, en on oriente tout vers les comme ce fut le cas pour le Covid. Et exact. Vous avez Et par la suite, on s'est rendu compte que c'était une erreur. Exact. Et on a fait beaucoup d'erreurs, justement. Je tiens à saluer le nouveau ministre de la Santé. Dès son installation, il nous a déjà réglé un grand problème. L'ensemble des chefs de service ont soulevé le problème du manque d'effectifs. Parce qu'il y a eu un blocage de recrutement du personnel de la santé. En plus, il n'y a pas eu de concours de recrutement des maîtres assistants plus de deux années. Il y a eu un recrutement récent. pour ça je vous dis le, le remercier. Combien à, ont été recrutés euh, Notamment les médecins réanimateurs qui nous ont permis, par exemple pour Betaria, à, à recruter au moins plus d'une dizaine de, de médecins qui ont été recrutés dans les 48 heures euh, après son installation, qui a réglé le problème des, des, de la garde au niveau de, de l'hôpital Betaria, qui était à l'arrêt depuis presque six mois. Mais nous sommes en train aussi, nous avons fait la proposition avec le ministre de la Santé de revoir le système de jumelage. Du gymnase avec les hôpitaux du Sud, parce que les CHU du Sud aussi souffrent et les citoyens souffrent avec eux. Beaucoup de nos concitoyens du Sud et des Hauts-Plateaux sont orientés, soit vers les CHU du Nord, ou parfois malheureusement vers les, CHU, vers les hôpitaux ou les cliniques privées euh, des pays, de, pays voisins de l'Est algérien. Notre proposition, il faut créer des mécanismes d'encouragement. Et de financement de ces opérations-là, et de créer justement des hôpitaux régionaux où il y a des spécialités euh, cardinales. Ou après une étude, pourquoi les gens du sud sont transférés vers, vers le nord Je pense par lui, là, on doit créer un cadre pour diminuer ce transfert euh, abusif et inhumain de nos concitoyens vers euh, les, les CHU du sud, euh, les CHU du nord, pardon. Euh, mais cette réorganisation est ce qu'elle peut elle peut permettre aussi d'aller vers une spécialisation par rapport au traitement de pointe, puisque la médecine évolue à une vitesse vertigineuse et on, on l'a dit dans la première partie de l'invité de la rédaction. Euh, Aujourd'hui, au niveau scientifique, on a découvert même le traitement thérapeutique contre le cancer du sein qui va être commercialisé prochainement. Nous avons appris avec satisfaction en tant que syndicat la proposition de la création des hôpitaux mixtes à Giro, Allemand, Qatari ou avec d'autres pays. Qui sont avec des hôpitaux privés aussi Ils existent et, 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 des et, et, hôpitaux privés Mais c'est-à-dire pour les soins de haut niveau. Pour les soins de, 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 de haut niveau, euh, je pense que c'est une proposition euh, intéressante et intelligente pour notre hôpitaux universitaires. Nous sommes intéressés beaucoup plus par le volet important celui de la formation. On doit ramener des gens quand même, des, des, des grosses pointures, qui sont payés le mode de financement, si vous ramenez quelqu'un qui excède dans la chirurgie, on, on, je l'ai dit, ça fait 20 ans que nous sommes en train d'essayer de, de réussir les opérations de greffe hépatique. Ça n'a pas, pas encore bien démarré. Je pense qu'il faut ramener un personnel sur place et de donner la chance à, la, à ces jeunes maîtres assistants d'être formés, pour que ces, ces jeunes-là vont rester dans leur pays et aussi vont être les euh, chirurgiens greffeurs de demain ou bien des médecins qui vont gérer justement ces thérapies innovantes en matière de diagnostic, en matière de soins. Et euh, il faut pour les garder, je regrette, il faut bien les payer aussi, il faut les accompagner dans leurs problèmes socioprofessionnels. Parce que l'étude qui a été menée par notre syndicat, nous avons vérifié pour le pourquoi de ce départ-là. C'est beaucoup plus notamment pour des considérations salariales et considérations socioprofessionnelles si on arrive à gérer ces deux points je pense beaucoup d'algériens ils aiment bien être dans leur famille parmi leurs amis et traiter leur population. Euh, et puis, bon, dans le domaine de la grève à travers le monde, on grève même les visages actuellement. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect. Professeur Rachid Belhadj, on en a beaucoup parlé. On parle beaucoup de système de santé puisqu'on est dans un contexte qui l'exige aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19. Elle a montré un peu les faiblesses de tous les systèmes de santé à travers le monde, pas seulement euh, notre système. Euh, quand on parle aujourd'hui, euh, par exemple, de cette nécessité d'aller vers aussi la création de grands hôpitaux, comme ça va être le cas avec euh, l'hôpital algérien. Qatari euh, allemand qui va être réalisé, puisque euh, la, pierre, euh, la première pierre a été euh, lancée par le président de la République et son homologue euh, Qatari. Est-ce qu'il va falloir aussi envisager d'autres hôpitaux similaires de moyenne taille pour euh, certaines spécialités, comme par exemple les greffes Exactement. Nous avons Là, fait... nous peinons à, -à greffer. On a eu le que... professeur Ryan qui l'a clairement déclaré. Et il y a un, un, un grand problème. Alors que la greffe je rénale, c'est totalement démocratique. Je suis dans la greffe de Corley. Nous, sommes, euh, nous avons tout préparé, les compétences, là, le plateau technique est là. Nous sommes tributaires d'un flacon, d'un produit de conservation que on dit, nous avons des instituts, des instituts de, de chimie, de physique, etc. Comment on n'arrive pas à produire justement des outils euh, en, en, en médecine vous vous souvenez, nous avons souffert le manque de respirateurs. Eh bien, il faut que l'ingénierie n'égage rien. Il faut encourager aussi. Le secteur de la santé ne pourra pas se développer tout seul. Il faut développer l'industrie il faut développer justement le commerce et le financement il faut aider des jeunes à créer des appareils à créer des outils de diagnostic en médecine pour qu'on se libère aussi. Si on va se libérer de cette dépendance de transfert de malades à l'étranger, on doit se libérer de cette dépendance technologique vis-à-vis -vis de cet pays. Alors, réhabilitation des infrastructures existantes, c'est important. On ne va pas dire on va raser l'hôpital Mustapha Bacha, mais réhabiliter Mustapha Bacha, c'est une urgence impérative aujourd'hui, professeur. Il n'y a pas que l'hôpital Mustapha Bacha, les autres hôpitaux, même les CHU de l'Est et de l'Ouest. Constantine va être renforcée par un CHU avec 400 lits. Or, avec le HU qui est en train de se, de se développer, c'est une nécessité. Elle est obligatoire en Elle ce moment. Elle est obligatoire d'être justement à la page. La médecine est en train de se. Il y a des spécialités, si vous ne vous développez pas, ben vous allez être dépassé. C'est l'hébergement aussi. Exactement. Vos prestations vont être obsolètes. Et aussi, le secteur privé est en train de se développer. Croyez-moi, le secteur privé algérien, en matière surtout de diagnostic et d'exploration, il est en train de se développer. Mais hélas parfois, au détriment du secteur public, c'est tout à fait normal qu'ils vous prennent vos meilleurs médecins, vos meilleurs des gens qui ont de l'or. Mais ces prestations dit, ne sont pas remboursées. Est-ce que c'est normal un maître assistant qui vous place un à 2 heures du matin, vous lui donnez une indemnité, une rétribution hospitalière à 36 000 dinars par mois Cela n'est pas, pas logique, n'est pas acceptable. Il faut qu'on doit trouver des mécanismes. Comment garder ces jeunes compétences dans le secteur public et aussi dans le pays. Alors, numérisation ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur ce que nous allons faire, puisqu'on parle de la révision de la carte sanitaire, sur le nombre de malades avec exactitude, parce que nous sommes toujours dans les approximations. Nous n'avons pas des chiffres exacts et réels pour savoir quel est le niveau des prestations et des finances qu'on pourrait aussi dégager, puisque vous avez parlé aussi de gaspillage au Exactement. niveau des hôpitaux. Il y a beaucoup de gaspillage, même si on ne trouve pas certains outils, par exemple. Un glucomètre qu'on nous demande de ramener quand on a un malade. Un thermomètre, un test Beaucoup antigénique C'est voilà. le quotidien, ce que je lui dis. La médecine, ce n'est pas de 10h à 14h. La médecine, c'est 24h sur 24. La médecine, on exerce notre métier à 2h du matin, à 4h du matin. Nous sommes confrontés justement à des éternels problèmes, et des problèmes parfois simples, mais qui sont en rapport avec la gestion d'un service. Et la gestion d'un service, c'est l'ensemble des de partenaires. C'est le gestionnaire, c'est le chef de service, c'est le médecin, c'est le paramédical qui sont, et aussi le citoyen. Mais ce manque de visibilité, c'est ça qui favorise aujourd'hui le gaspillage au niveau des hôpitaux je, je reviens à la numérisation. Elle nous permet aussi d'évaluer. Ça, c'est important. Elle nous permet de donner des chiffres réels. Elle nous permet aussi d'avoir une idée sur le coût de ce que l'on est en train de, 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 de faire. Elle nous permet de, donner, de faire des études sérieuses et de faire une politique de prévention et d'éducation sanitaire. Elle nous permet aussi, nous, en tant qu'hôpital universitaire d'être présents au niveau des instances internationales en matière de publication, en matière de recherche. Nous, ce ferons, nous sommes quand même, euh, je l'ai dit à maintes reprises, nous sommes les derniers de la classe si on se compare par rapport aux autres secteurs euh, à l'échelle nationale. Le secteur de la santé, il faut que la numérisation doit être l'une euh, des priorités du secteur de la santé, mais, mais elle ne doit pas être gérée par le personnel de la santé. Un autre échec. Il faut ramener des boîtes privées, il faut ramener des spécialistes vraiment pour pouvoir gérer la numérisation du secteur de la santé, comme ça a été fait par les autres secteurs, soit les banques ou les autres institutions, le commerce ou, ou autres institutions, qui ont réussi quand même à moderniser le secteur. Alors, ça permet de la visibilité et d'éviter le gaspillage. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs sur le niveau du gaspillage au niveau de nos structures hospitalières C'est le fait qu'il n'y ait pas de contrôle Il n'y a pas d'évaluation. Pas de contrôle. Je, 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 il a, vous ne pouvez pas contrôler. Pour contrôler, il faut avoir des vrais chiffres. Pour avoir des vrais chiffres, il faut numériser. La formule elle est claire et nette. Même si les gens payent les 100 dinars, on ne voit pas. Hein. C'est une gestion purement basique sur le papier. Si vous voulez avoir, vos, par exemple, le dossier, ça fait longtemps discuter sur le dossier médical personnel. Mais maintenant, une carte, ça vous souffle pour éviter contre le gaspille. Si quelqu'un y a déjà consulté à Mustafa, ne pourra pas faire une deuxième consultation à Beblouet ou à Benimsous, ou bien partir dans un autre secteur sanitaire. On lui dit monsieur, non, vous avez déjà fait passer un examen, on vous avez donné un traitement, c'est pour éviter justement le gaspillage, le gaspillage de la, 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 la nourriture, le gaspillage de l'eau, le gaspillage, euh, tout le monde se sert pour euh, le, le consommable. On doit mettre quand même un haut là. Vous ne pouvez pas développer un secteur si vous n'arrivez pas à gérer votre quotidien en matière... De gestion de vos ressources financières, de votre personnel, de vos moyens. Tout cela, nous sommes en train de gérer. Hélas, nous, en tant qu'hôpital universitaire, en tant que chef de service, nous gérons notre métier, nous sommes, nous devons faire de la recherche, d'enseigner et donner des soins de haut niveau. Malheureusement, on passe notre temps à gérer des choses ingérables. le L'absentisme, le gaspillage, la violence, beaucoup de choses. Il faut que l'État nous aide, justement, à développer à l'instar des autres pays. Euh, le concept de l'hospitalo-universitaire dans un système de santé. Alors, euh, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Rachid Bedhaj, vous, vous êtes en train de discuter sur les statuts particuliers. La rémunération, c'est un aspect très important pour pouvoir éviter et limiter la saignée et le départ massif de nos médecins et de nos hospitaliers euh, universitaires, conforme sur une durée pratiquement d'une trentaine euh, d'années. Euh, vous avez donné un chiffre, pratiquement 80 depuis le début euh, de cette euh, année. Euh, Est-ce que, aussi, parallèlement, le ton complémentaire qui a été supprimé, bien sûr, dans euh, la loi sanitaire, celle de 2018 doit être réintégrée, mais avec des conditions précises pour éviter, bien sûr, que euh, les médecins ne favorisent euh, le, le privé au détriment, bien sûr, de l'hôpital, du secteur public. Pour euh, corriger, la loi sanitaire de n'a pas supprimé l'activité. Elle a réglementé, elle, mais différemment, elle, mais c'est un quasi Elle ne l'a pas supprimé, par contre, elle a été gelée, arrêtée de manière illégale. C'est ça. Parce que, mais bon, il n'a pas été rencontré. Euh, la loi, mm. elle ne l'a pas supprimée et on a même le premier texte, elle n'a pas interdit l'activité lucrative. Oui, mais il, euh, il n'a pas été reconduit. Il n'y a pas de texte. Le temps mais c'est-à-dire un arrêté qui mm. donne l'autorisation à l'activité lucrative. Eh bien, il faut, nous sommes, nous en tant que syndicats. On l'a dit au ministre de si quelqu'un dévie. Si quelqu'un ne respecte pas l'humain, si quelqu'un utilise les moyens, si quelqu'un s'absente, il doit être sanctionné. Détourne de l'hôpital vers sûr. le privé. Vers le privé, il doit être sanctionné sévèrement même à déposer plainte. Il doit être radié du secteur public. Justement, il faut trouver des solutions. Je me souviens en temps de Eberkan rahmou lorsqu'on était en crise, l'une des solutions qui a été préconisée, c'était justement de créer l'activité complémentaire. Nous, on a dit non, pas l'activité complémentaire, ça va un petit peu... Euh, gêner le, le fonctionnement des 17 universitaires durant la semaine. Nous, on a dit l'activité lucrative, ça veut dire soit les week-ends ou là au-delà de 16 heures. Mais il doit être réglementé. Celui qui bénéficie de cette activité doit payer ses impôts. On doit l'identifier. Il y a des gens qui viennent dans un CHU, ils préfèrent être suivis par un professeur dans un cabinet. Mais pourquoi le professeur va faire cette activité dans l'illégalité en cachette À l'instant, ne sont pas les seuls. Les Tunisiens le font. D'autres pays, en Europe ou aux États-Unis, tous les pays du monde essaient de garder leurs compétences en proposant justement des mécanismes de compensation pour ne pas laisser les gens fuir vers, vers l'étranger ou bien euh, faire des choses illégales. Alors, euh, le service civil, une question Un qu'il faut. Échec. Autre il, faut régler. il faut régler dans le cadre bien sûr de cette réforme, de ces discussions qui sont en train d'être engagées qui est, qui par le secteur de la santé Exactement. et il faut vraiment différentes des, des organisations des mesures, euh, syndicales. Des mesures courageuses et des mesures euh, solides, mais avec une alternative. Vous ne pouvez pas remplacer un système, c'est-à-dire de service civil, en pénalisant un autre corps. Il faut trouver des mécanismes, d'où l'intérêt de créer justement ces hôpitaux régionaux. Par Willaïa, où il y a des spécialités cardinales, on doit les doter, bien les payer, pour pouvoir justement réussir notre système de santé, d'éviter le nombre de transferts énormes de nos concitoyens du Sud et des Hauts-Plateaux vers les CHU du Sud. Jumelage des hôpitaux, une bien option bien qui bien pourrait bien être envisagée On l'a proposé justement dans notre. Il y a eu statut. des jumelages et ça a fait réussir. Bien, bien, on que on a des fait fait. médecins de Tizi Ouzou aillent opérer du côté de delouet oui. ça a été le cas. Euh, ceux voilà, le fait, qui sont partis voilà, vers Ouergela. On fait même la télémédecine. Nous sommes prêts à accompagner, il y a par exemple, on a cité l'exemple, il y a des hôpitaux qui ont un scanner, mais ils n'ont pas de radiologue. On leur a dit, on peut développer justement le technicien face l'examen. Et on envoie les images vers un CHU et l'équipe, c'est-à-dire sans que, que, que l'équipe se déplace à Tamarasset ou dans une région, on voit le, le compte avec le diagnostic. Mais il faut trouver des mécanismes d'encouragement de ce personnel, dédié à ces activités de télémédecine, de jumelage. La médecine, elle s'est développée. Il y a maintenant la e il y, il y a des gens qui font des consultations il n'est pas nécessaire qu'ils vous examinent. Il n'est pas nécessaire il y a la, la robotique qui est en train de se développer. Il faut que l'Algérie puisse être à la page en matière de nouvelles technologies, de la nouvelle pratique de la médecine de demain. Il y a des choses qui se passent, c'est immense. La médecine est en train de développer une vitesse incroyable. Grand v. Il faut que l'université algérienne, justement, il y a un projet de Sidi Abdallah, il faut créer ce qu'on appelle cette école d'excellence en médecine. Nous sommes pour la création aussi de l'université des sciences de la santé l'a la faculté de médecine, faculté de pharmacie. Pourquoi pas une faculté de chirurgie dentaire et créer une université. Nous avons en nombre, nous avons dépassé le nombre d'enseignants et le nombre d'étudiants par rapport à besoin. Même la médecine animale, c'est important aujourd'hui dans le contexte puisque la pandémie du Covid-19, c'était la transmission de l'animal <laughs> vers l'homme. Alors, la médecine de demain entretient aussi des moyens de radiologie. Souvent en panne, au niveau des hôpitaux, je dire ce qu'il en est. Il faut, une, il il faut est. un management, il faut une gestion. Est-ce qu'il faut euh, confier cette gestion dit... à une entreprise, euh, euh, c'est-à-dire euh, privée, qui euh, s'occupe de cet aspect-là Professeur Rachid Barak. Une autre erreur. Nous, l'expérience du privé, en matière de... Oui, mais on a des machines de, qui s'entendent pas. panne. De, 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 Le scanner en panne, la radio de vie dans certains hôpitaux. Il faut euh, justement évaluer les gens. Vous voulez responsabiliser les gens. responsable en responsable, chef de service. Croyez-moi, si le chef de service est accompagné, il est valorisé, et on évitera beaucoup de ces faux problèmes qui ont gagné le secteur de la santé. La pharmacie centrale aujourd'hui, au niveau des hôpitaux, professeur Rachid Belhati, il y a du gaspillage parce qu'il n'y a pas de visibilité. Souvent, on vous dit, par exemple, certains médicaments essentiels pour certaines thérapies, comme les cancers, le cancer des enfants, sont inexistants. Quand vous appelez la pharmacie, il vous dit si. On les a. Qu'est-ce qui se passe exactement, professeur Rachid C'est un problème de coordination. Qu'est-ce qui se passe L'État été... met les moyens il met en place les traitements. Et pour les malades, il n'y a pas les Nous traitements. Nous sommes toujours dépendants de l'étranger. Nous sommes dépendants, justement, en matière de, cette, de ces médicaments, à 100% de l'étranger. Je suis dans le syndicat ça fait une vingtaine d'années. Nous avons entendu plusieurs ministres à lancer la, 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 la production pharmaceutique. Il euh, y a eu des gens qui ont dit qu'on a fabriqué l'insuline, mais sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, hélas, on doit trouver, malgré que la PCH, c'est notre cœur battant. Si la, la PCH s'arrête, beaucoup de services vont faire. Tout s'arrête. Les, les maladies, c'est un ah, phénomène euh, maintenant universel à cause de la pandémie COVID-19. Mais quand même, il y a des choses Mais inacceptables. Qu'est-ce qui se passe quand vous appelez les hôpitaux et ils vous disent on n'a pas le médicament Quand vous saisissez la PCH, ils sont existants. Que se passe-t-il, professeur Blach le Il y a quelque chose, euh, je suis d'APM. Ces derniers temps, il y a le Propofol. Il y a une pénurie quand même du Propofol. Et on s'est dit, ce n'est pas normal qu'on n'arrive pas à gérer un produit aussi important pour l'indicisie qu'on arrive à la pénurie. Là, c'est un problème de gestion. Il faut que les gens qui ont mal géré ce dossier-là peut-être quand même euh, soit formés ou les remplacer. Quand vous parlez de problèmes de gestion, rapidement sur la question, la dernière, est-ce qu'il va falloir aussi revoir la gestion administrative au niveau des hôpitaux Est-ce qu'il faudrait que ce soit des professeurs qui gèrent les hôpitaux Ou faut-il des administrateurs pour gérer les hôpitaux Chacun... Puisque maintenant, au niveau du ministère de la Santé, il y a l'administrateur, il n'y a pas un médecin. Euh, je comme veux... ce fut le cas par le passé, ou dit, au professeur. Nous avons une chance, oui. Avec le professeur Seyhi, c'est un énarque. C'est un professeur, c'est un enseignant, il connaît très bien le secteur. Nous, autant que ce niche, si on n'arrive pas à réaliser avec euh, ce nouveau ministre des choses, on ne pourra pas le réaliser. Demain. Les Croyant. hôpitaux, euh, un administrateur, ou un professeur. Les hôpitaux, un administrateur, un professeur, sa place elle est au niveau de, de son service, à, sa place elle est au niveau de, de la faculté. C'est soigner, soigner les malades pas gérer euh, justement des choses administratives. Professeur Rachid Belhadji, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, merci. à bientôt et bon week-end.